Modifier des choses. Voilà. Ah non, je vais réduire ça. Putain, comment je fais pour réduire ça? Est-ce que je suis déficient intellectuellement? Voilà. Donc on va faire ça. On va mettre un petit. Je vous fais le setup en live tellement je suis mauvais. Alors, vous me voyez là. Coucou. Et je vais rajouter un périphérique. Non, comment s'appelle ça? Capture d'écran. Voilà. Capture d'écran. Fantastique. Voilà. Marche bien. Ok. Salut, j'espère que ça va. Regardez, vous dites que je suis pas un codeur. C'est ça que vous dites. Eh bien, comment ça s'allume ça? Voilà. J'ai lu mon IIPC Toshiba. Merde. Je reviens. Salut Chan Modu, salut RFL. Alors je vous montre un truc assez ouf que j'ai chez moi. C'est un IIPC Toshiba. Donc c'est un truc, ça date, ça a 10 ans ce truc. Et donc il marchait plus depuis longtemps. D'ailleurs, la batterie remarche miraculeusement. Je sais pas pourquoi, il arrive à fonctionner. Attends, comme ça. Et Windows ne marchait plus. Bon, salut tout le monde. Vous êtes sympa d'être venu, mais... attendez, j'attends. Bon, il est en train de démarrer. Donc dès qu'il démarrera, je vous montrerai ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, on va faire quelques petites modifs. Ah voilà. Ah bah parfait, c'est parfait. En fait, j'ai mis Linux dessus. Voilà. Voilà, c'est plutôt un pote Linuxien qui l'a mis. Donc j'ai Linux. Je sais pas ce que c'est comme Linux, voilà. Et c'est le seul système d'exploitation qui marche sur cette merde qui s'appelle un Toshiba IIPC. Mais grâce à ça, miracle, je vois vos notifs. Attendez. C'est un peu mon interface de chat. Voilà. Oui, bien sûr. Alors attendez. Hop, attendez. Ah oui, excusez-moi, il s'est mis en... Ah oui, il s'est mis en pause. Ça va mettre du temps. Ah, alors, est-ce que c'est dans du... Je sais pas comment ça s'appelle. Alors, mon mot de passe. En fait, aussi pourquoi? Parce que il est en BPO. Alors attendez, regardez, c'est un IPC. C'est le seul IPC au monde en BPO qui tourne sur un Linux. Il n'y a pas plus custom que ça. Mais il fait le taf. Il fait le taf parce que je peux. En fait, il me sert uniquement à un truc, c'est à voir vos commentaires. J'arrive pas à recharger la page, mais dès que j'arriverai à recharger la page, je verrai vos commentaires. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va travailler sur ce truc-là. Attendez. Et on va essayer de l'améliorer. Voilà. Donc en fait, alors je vous montre un truc marrant. Il est où mon index.php? Ça, c'est un autre index qu'on va enlever. Voilà. Je crois que c'est celui-là. Voilà. Donc, modification possible. Alors, j'ai un truc à vous montrer. Ça, ce n'est pas un espace. Ce n'est ni une espace fine. On dit une espace en plus quand on est un peu typographe. C'est un espace insécable. C'est pour ça que quand on fait ça, voyez, modification possible. Ça va à la ligne, mais modification possible, ça ne va pas à la ligne. Parce que quand on a un clavier BPO, quand on fait Shift espace, ça fait un espace insécable. C'est un peu ballot. Hein. Donc, du coup, je mets ça en ligne et normalement, ça devrait remarcher. Hop, on y va. Et voilà. Et là, maintenant, on va à la ligne. D'accord. C'est pas grand-chose, mais ça m'ennuie un peu. Ouais, une espace insécable, exactement. Alors, il y a des choses qui me plaisent pas trop. On va essayer d'améliorer un petit peu ça encore. Déjà, je trouve que c'est fat. Bon, attends, je vais vous montrer un truc. Par exemple, quand je fais. Galilée. Ouais, pourquoi là c'est tout petit? Pourquoi là c'est petit et là c'est gros, tu vois? Rien ne va, rien ne va, rien ne va. Pourquoi rien ne va? Parce que je suis nul en code, mais je suis aussi nul en comment ça s'appelle? En interface UX, c'est ça? En UX, en UI, je suis nul. Ce qu'il me faudrait, ce sont des classes.
Et d'ailleurs, Anis me dit, il te faut des classes. Et vous savez quoi? Moi, les classes, je les emmerde. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que c'est et je ne vais certainement. Je suis là pour coder. Je suis là pour atteindre un objectif. Je ne suis pas là pour apprendre des trucs. De toute façon, j'ai 42 ans. Je ne vais pas apprendre les classes à 42 ans. Ok? C'est trop tard. Anis, oublie, oublie. Voilà. Donc, déjà, on va faire un truc, c'est qu'on va avancer sans classe. Et dès que quelqu'un sur le chat dit classe, eh ben je le banne. Voilà. Donc vous pouvez, même si vous dites genre classe en anglais, si vous dites classes. Voilà. Donc je sais pas trop quoi. Alors je voudrais faire plusieurs choses. Oui, non changer, c'est trop gros. En fait, ça c'est trop gros. Voilà. L'espace, alors je peux pas le montrer, mais ça, cet espace-là, je le trouve trop gros. Il m'ennuie. Voilà. Alors, je vais faire que j'aille dans le fichier style.css, j'imagine. J'enlève ma to-do, comme ça, vous voyez pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Niklas. Alors, comment on fait pour l'écartement? Je crois que c'est. Alors, attends. Déjà, quelle est cette chose? Comment ça s'appelle ça? Ça. Je sais pas. Ah putain, mon estomac gronde parce que j'ai faim. Index.php. C'est du header, ok? C'est une classe. En fait, j'utilise déjà des classes, ok, Anis? Ah, j'utilise déjà des classes. Alors, la classe events. On va la regarder. La classe events. Je sais pas ce que c'est exactement une classe. J'imagine que c'est ce point. Ça veut dire classe. Ça se trouve depuis toujours, voilà, c'est ça. Toujours, depuis toujours, je fais des classes. Toujours. Ah, c'est ça. Je crois que c'est les margin bottom. C'est quoi la différence rapidement, le chat? C'est quoi la différence entre padding et margin? Ouais, alors, si vous savez pas, vous dites je sais pas, mais ne dites pas n'importe quoi, d'accord? Le nom, d'accord, Yonex est vraiment utile. Yonex, c'est vraiment le mec, je pense, c'est le premier qui mourra quand on sera tous sur une île déserte, tu vois. Parce que je dirais, il faudrait qu'on boive, mais que peut-on boire alors qu'on meurt tous de soif? Il lui dira, ben de l'eau, mais il n'y en a pas, tu vois, et donc il mourra. Margin est à l'extérieur de la valise, padding à l'intérieur. Ok. Bon, ok. Alors, je vais mettre 15 et 25. Je vais diviser les deux par deux, voilà. Évidemment, je n'ai pas la version. Alors, le son n'est pas bon parce que vous m'avez par ma webcam. Est-ce que j'ai un avenir, vous pensez, dans les spectacles de cirque, mais au lieu qu'il y ait des éléphants ou des tigres, il y a un mec qui code, tu sais, oh, ça a un peu marché. Alors, les bons côtés, ça a marché en haut, mais ça n'a pas marché en bas. Je ne sais pas pourquoi. Et si je mettais 0? Si je mettais 0 pix? C'est quoi? Je mets 0 pix. C'est bon qu'il y a le bottom mais pas le up. Je sais pas pourquoi ils ont mis juste le bottom. Ah, Mini Amiol, il m'a manqué. Mini Amiol, alors il y a des gens, ils ont des petites manies. Il y a des gens, bon, c'est des serial killers. Il y a des gens, ils boivent un petit coca tous les jours en rentrant du boulot, tu vois. Et ben Mini Amiol, le mec, sa petite manie, c'est de dire t'as qu'à appuyer sur F12. Et tu le dis à ta femme aussi? Hey, c'est quoi? Appuie sur F12, tout ira mieux. Voilà. Alors, écoutez, je trouve ça pas mal. Je suis sûr que vous détestez. Ça me plaît pas trop que le doré soit en plus gros que les autres. Pourquoi? Alors, c'est le H quoi? Le doré. Le doré. C'est modification. C'est le H7. Alors, qu'est-ce qu'il a le H7 de particulier? Il est en 1.5 400 EM. C'est marrant ça. Il est censé être le même que les autres. Ah, peut-être c'est sur A, parce qu'il a un lien. Ah, non. Ah, si, 1.5, 400. Ah, le font size. Attends, le font size, il est combien? 1.4. Ben non. C'est bizarre, ça. Hein. Ah. Vous savez que, je vais vous raconter une histoire, c'est qu'avant, je codais. Un autre jeu qui s'appelle Maspero, tous les codages. Alors, si vous voulez vraiment rire, j'ai codé un jeu pendant un an. C'est au début, il y avait 10 viewers. Et je codais un jeu en PHP.
Et t'as des mecs qui sont. T'as un mec qui était tellement vénère que je faisais pas de fonction, qu'il a réussi à retrouver mon numéro de téléphone, je sais pas comment, et il m'a envoyé des SMS pendant le stream en disant fais des fonctions! c'est bon, du calme. Alors attends. Pourquoi? Alors, moi, la question que je me pose, okay, c'est pourquoi ce bleu, ce lien est si gros. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Ça me chagrine. Voilà. Ah, la font size. Hein. Regardez-moi. Je sais pas, je mets au hasard des trucs. Hein. On va voir. À mon avis, c'est une erreur de faire ce que je fais, mais. Ah, vous voulez que je. Hey, vous savez quoi? Si j'appuyais sur F12, hey, j'ai envie de faire un truc. Allez, je vous montre un truc. Pour tous les gens qui veulent que j'appuie sur F12, regardez. Je pourrais presque appuyer sur F12. Regardez, j'ai mon doigt dessus. Ah, je peux presque appuyer dessus. Regardez, j'appuie dessus. Et en fait, ah, j'appuie pas assez fort. Voilà, j'espère que ça vous a bien fait chier. Jamais j'appuierai sur F12, ok? Même s'il y avait un mec qui arrivait là par la porte et il me pointait un flingue sur mon visage, jamais j'appuierai sur F12, ok? Jamais! C'était pas du tout ça, parce que du coup, H1 c'était ça. J'ai eu la flamme. Je savais quelque part au fond de moi. Ah non. C'est quoi ça? H2, il est en 1 EM. Ah! Ah non. H1. 1-4, 1-4. Ah, ok. Ok, alors on va faire ça. Tac. Voilà. Je dis EM, mais je me dis que quand je dis EM, c'est un peu comme quand les gens ils parlent des médicaments, ils disent t'as qu'à en prendre 500 mg, tu vois, au lieu de milligrammes. Ça veut dire quelque chose, EM ou pas? Le mystère s'épaissit parce que tout a rétréci. Vous savez quoi, je vais appeler le stream F12. Mais vous savez quoi? Vous savez quoi? À un moment, je vais appuyer sur F12 quand on n'aura absolument pas besoin et il se passera rien. Alors, attendez, j'essaie de comprendre. Ah, mais attends, il faut que je fasse un truc parce que je vois pas tous vos commentaires parce que j'ai mis le. En fait, je mets souvent le truc très loin et je vois pas trop. Alors, j'ai une question. C'est bizarre parce que tout a rétréci. Ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai plus à augmenter la taille des dates. Mais c'est vraiment petit, hein. Pourquoi ça rétrécit? Je sais pas. EM. Before. Si je faisais ça. J'ai dépassé les 9000. Et j'ai envie de mettre 9000 EM. 9001 EM, comme ça on est over 9000. Ah, c'est la date qui a rétréci. Du coup, maintenant je sais comment on augmente la date, c'est un bon signe. C'est pas, vu que j'ai pompé un. Du coup, je vais mettre en 2 EM. Ça existe? Je peux mettre 2 EM ou je peux mettre 2.0 EM? Je pense que c'est pareil. Hein. Ouais, c'est ce que je pourrais faire, c'est appuyer sur F12. Oh, j'ai envie. Ouais, j'ai mon doigt dessus. Contrôle W. Alors, aujourd'hui, on code avec deux challenges. Pas de F12. Pas de classe. C'est un peu gros quand même, deux. Je pense qu'on abuse. Je mettrais plutôt 1,5. Voilà. Moi, je commence par des trucs simples pour me mettre en forme, cosmétiques. Il y a des trucs que j'ai codés parfois, je sais pas pourquoi ça marche. Ok, bon, c'est pas mal. J'aime pas les couleurs. Voilà. Alors, j'ai une idée. Dites-moi, les gars, si par exemple, vous voulez trouver des couleurs pour un jeu, enfin des couleurs, vous avez besoin de quelques couleurs. Est-ce qu'il y a des sites où tu as genre quatre couleurs qui vont bien ensemble, où il faut les inventer, où il faut faire des études pour trouver des couleurs qui vont bien ensemble? Suis pas très bon en couleurs. Je veux dire que dès qu'il y a un truc. Ah mais attendez, je vais aussi changer un truc. Tous les espaces insécables de mon truc là. Voilà. Voilà.
Ça, je les modifie. Alors, ensuite, j'ai un petit souci. Donc, j'aimerais que toutes les typos soient de la même taille. Toutes. Alors, fondation des premières cités, c'est un nom changé. Donc, nom changé, c'est un H7. Ok. H7. Ah, mais attends, il y a un truc que je. Either. Ok. Un H7. Et modifier, c'en est un autre aussi. H7. Pourquoi ça va à la ligne là? Je sais pas. Alors, Adobe Color. Colors.co, c'est ça? Attendez. Attendez, je viens d'avoir une inspiration. Colors.co. Est-ce que ce H3 là, il devrait vraiment être là? Ou il devrait plutôt être là? Qu'est-ce que vous en pensez? Flat UI Color? La roue chromatique. Je suis désespéré. Bon, vous savez quoi? On va d'abord résoudre nos problèmes. On va imaginer, on va faire abstraction de la mocheté des couleurs. Et on va. Je voudrais juste que. Alors, dans modification possible. Modification possible, on a un header de. Pourquoi dans non changé? La différence entre ces deux trucs, c'est qu'il y a un A. Il y a un A. Est-ce que je peux mettre le link en dehors du header? Est-ce que si je fais ça, c'est mal? Moi, je découvre un peu. Hein. Je sais pas trop. Non, ça, je peux pas le faire. Ah, là, j'ai tout effacé. Est-ce que je peux faire ça? Ah. Non, c'est du index que je change. Je suis malheureux. C'est encore pire qu'avant. Ah non, c'est pas pire. C'est mieux parce que j'ai l'impression que. Non, mais. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Il y a beaucoup trop de header, je trouve. C'est quoi un backseat? Alors, en fait, je vous donnais une information hyper importante pour que vous compreniez ma philosophie du code aujourd'hui. C'est que j'étais malade, je me suis réveillé ce matin, j'étais malade, j'avais mal au ventre. Et j'ai très peu mangé aujourd'hui. Donc je suis en hypoglycémie totale. Voilà, j'ai mangé genre une pomme. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à réfléchir. Ouais, les gnocchis. Comment vous savez que. Ah oui, j'ai mangé des gnocchis. Putain, vous vivez chez moi, quoi. Il y a une autre technique, c'est que comme j'arrive pas à faire en sorte que ça, c'est la même taille que ça, je pourrais. L'accepter, voilà, je l'accepte. Vous savez, parfois il faut accepter ce qu'on ne peut pas changer. J'ai un rappel pour toi. Si j'enlevais ça, si j'enlevais même tout ça, voilà. Je tente un truc. Oups. Ah, j'ai appuyé sur un bouton, j'aurais pas dû là. Qu'est-ce que ça fait ça? Ok. Ok. Alors, il y a Glabou qui me donne un tips vraiment utile, qui est que au lieu d'enlever, j'avais qu'à commenter la ligne. Je trouve que c'est super malin. Mais t'as vu, je l'ai pas fait. Parce que j'ai envie de faire un peu chier les gens aujourd'hui, tu vois.
800 grammes. Et vous savez quoi, j'ai envie d'appuyer sur F12. Attendez, je fais un truc drôle. Voilà. Je suis fatigué. Pourquoi? Alors j'ai l'impression que modification possible, c'est plus gros. Est-ce que ce dé, il est plus gros que ce dé? Je sais pas. J'ai l'impression, je dirais que oui. Ça va à la ligne en plus. C'est mon dernier bion. Okay. J'ai plus qu'une pilule dans ce truc de bion. Ça fait 2 mois que je mange des bions. J'appuie toujours sur F12 un nombre pair de fois. Alors, attendez. Surtout qu'en plus, je pense que c'est un truc de faible, le F12. Je fais pas de jugement. Attendez, j'essaie de comprendre. La date? Ok. Pourquoi? Ouais, ok, d'accord, excusez-moi. J'ai compris. Je comprends. Je comprends. Ah oui, attends. Ça me semble gros quand même, ce truc là, ce comment là. Je trouve gros. Donc j'ai envie de tous les headers en fait, j'ai envie de les baisser un peu en taille. Que tout soit plus petit que. Donc 4, 5, 6, 7, que ce soit plus petit que le 3. C'est ça qu'on va faire. 4, 5, 6, 7, plus petit que le 3. 4, donc il est en 1,5, on va mettre en 1, 4, 5. Ah non, voilà, je suis en train de changer un truc qui ne va pas. Vous voyez, l'hypoglycémie, c'est affreux, hein. 0,8, 4, 5, 6, 7. C'est petit, hein. Je ne sais pas pourquoi j'utilise des H, j'ai jamais utilisé ever des either. De toute façon, vous savez quoi? Je sais très bien ce que ça veut dire votre F12. C'est que d'abord, appuie sur F12, appuie sur F12, fais ceci, cela, fais ceci, cela, fais ceci. Donc c'est pas mal, c'est un peu petit. C'est un peu écrit petit. Je voudrais grossir le tout. Ah, là ça va à la ligne. Pourquoi? Pourquoi ça va à la ligne quand c'est pas modification possible? Parce qu'à mon avis, ce n'est pas le même hydro. Donc là, je suis en H3. Pourquoi c'est. Attends, H7. Pourquoi quand c'est pas. Alors, quand c'est non changé, quand c'est une autre couleur, ça va à la ligne. Mais non, c'est juste que je fais pas du code comme vous. Il faut respecter les différences, ok? Alors, tout sauf le 7. Quelle est la différence entre. Je sais pas. Vous avez un indice pourquoi? Pourquoi là? Pourquoi là ça va à la ligne créée et pourquoi là ça va pas à la ligne? Je sais pas. Va être 12, hein. Ouais, je pourrais appuyer sur F12. Ok. C'est quoi votre réponse? Ouais, allez. Super Sepia, j'ai bien vu ton lien. On va regarder ça tout de suite, mais d'abord on. On est dans la concentration. Donc par exemple, je pourrais regarder ça. Donc ok, alors je regarde ça.
Bon, ça marche pas en plus. C'est quoi, il faut que je sélectionne, c'est ça? Non, ça marche pas. Pourquoi modifier ça va la ligne? Ça me fait chier. La petite flèche dans un cadre pointillé. Je suis sympa, hein. Ça? Ah, tu sais quoi, c'est quoi, ça me fait chier. Hop, voilà. Il y a des différences entre... Alors, non changé et modification possible. Ça. C'est du H7. Le H7 passe, mais tous les autres ne passent pas. Quelle est la différence entre le H7 et par exemple le H6? Aucun. La couleur est différente, ok. Ouais, super, la couleur est différente. Mais vous pensez que la couleur, elle justifie le fait que ça aille à la ligne? Moi, je suis pas un codeur émérite, mais ça me semble. Vous savez quoi? On va la jouer cool et on va dire. Vous savez quoi? Je veux dire quelque chose. Quand toutes les solutions, Conan Doyle disait, quand toutes les solutions possibles ou probables ont été écartées, les solutions improbables, voire même a priori impossibles, sont les seules options qui nous restent. Donc, je vais prendre ce color white qui marche, oops, et je vais le mettre là, par exemple, sur un beau H4, et même sur un beau H5. Voilà. Oups, c'est parti. J'ai faim, j'ai tellement faim. Ah non, c'est le style. C'est le style que j'ai changé. On va réinitialiser un peu tout ça. Voilà. Construction de la grande pyramide. Et donc là, vous voyez, ça, la couleur est blanche, mais ça va encore à la ligne. Donc on écarte la question de la couleur. Oups. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que le H6? C'est étrange, hein, quand même. Ouais, le retour à la ligne m'ennuie. Je sais pas, d'où il se trouve. Si j'ai inspecté le code source, on peut le voir ou pas? Afficher le code source. Alors, qu'est-ce que j'ai dans modifier là? J'ai un H4. Donc là, dans modification possible, j'ai un H7, ça marche. C'est le H4 qui fout la merde. Voilà. Étrange, hein? Le H7 est en blanc. La classe doit pas être valide, la classe est tellement valide. Toutes les classes sont valides, mon grand. Bien sûr qu'elles sont valides. Là aussi, là, c'est limpide, hein. Malheureusement. C'est limpide. Alors peut-être je pourrais contourner le problème en l'affichant d'une autre façon. Et oui, les titres sont blocs. Mon H4 est de type display block. C'est quoi? Attends, display block, ok. Si vous voyez display block. Display block. Display block. J'imagine que je cherche un mot comme display block. Ah, j'ai que un display block là. C'est le seul endroit où il y a. Donc, vous savez quoi, je vais le commenter.
Ah non, c'est pas comme ça qu'on commente. Comment qu'on commente? Peut-être comme ça. C'est bon ou pas? C'est un bon commente de CSS? Ok. Ça change rien. Donc tous les gens qui ont du display block sont des gens décevants. Est-ce qu'il y a d'autres displays? Ah, si j'écris mal, hein, c'est mal barré. Display, non. Ok. Donc c'est dans timeline. Alors timeline, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent me dire des positions relatives? Non. Non. Il faut ajouter display inline. D'accord. Donc par exemple, là, je vais display inline. C'est ça que vous dites? Mais comment ça se fait que ça marche pour le set et pas pour le reste? Mais je le fais, regardez. Je suis pas un mec contrariant. Hein. Je suis tellement pas contrariant. Hop. Donc H5, H6. Voilà. Est-ce que les autres y avaient besoin? Enfin, je crois pas. Vous êtes tous des codeurs là, parce que j'ai l'impression que vous êtes là, vous expliquez la life aux gens, vous avez des idées de display block, et en fait ça marche jamais. Ah, c'est marrant parce que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché votre idée. J'ai pas fait. Il faut que je fasse H7 aussi? Non, il n'y a pas besoin, H7 ça marche déjà. Donc du coup, comme vous avez été peu utile, je vais utiliser une autre technique. Technique de fibre. Je vais enlever déjà tous ces display inline qui ont été ajoutés suite à des conseils malveillants. Et si je faisais ça, qu'est-ce que vous en pensez? On tente un truc. Alors, naissance de Confucius. Voilà, on kidnappe Confucius. Alors, c'est pas mal, mais simplement, j'ai pas les couleurs qu'il faut. Mais c'est pas mal. Du coup, je me dis peut-être c'est pas utile de mettre modifié. En fait, c'est vrai. Si je mettais la. Je peux mettre la couleur là, ça dérange personne, on est d'accord? Par exemple, je mets. On avait choisi des couleurs, mais je m'en souviens plus, donc on va appeler ça. C'est quoi déjà pour changer la couleur dans un. C'est une balise A, non? Non, je me trompe. Style, peut-être? Non, c'est pas en local. Moi, je travaille pas en local, mec. C'est hors, vous pouvez y aller si vous voulez. maspero.blue/abw/index.php. Ah, c'est sur. Ok. Alors, deuxième tentative de Minamiols qui essaie de se rattraper péniblement. Hein. Display de point line. Du coup, il faudrait peut-être que je le mette sur H3 aussi. Ne t'inquiète pas, je vais aussi rajouter ça quelque part là, genre là, H3. Oh, j'ai faim. J'ai faim. Non, non, c'est ça. Je vais la faire. Alexandre le Grand conquiert le monde. Alors, ça ne marche pas du tout. Voilà. Mais pourquoi j'ai écouté Minamiols? Ça fait 3 fois que tu te plantes quand même. Hein. Ah, le H3, mais j'ai mis le H3 dans le. J'ai mis le H3, ne vous inquiétez pas. Il a un display inline, le H3. Mais ça marche pas. Donc, on revient en arrière. Je sais que c'est un peu un mystère pour vous, mais c'est normal. Le code, pour moi.
Ça marche pas vraiment. Et juste, je voudrais faire, je voudrais changer la couleur avec une balise, tu vois, genre une balise. J'utilise quoi? Ça existe des balises style, par exemple? Je peux mettre style color ou pas? Ça se fait comme ça, regarde, style color de point bleu. Enfin, bleu. Ah, ok, merci. Je l'ai bien fait ou il faut faire, que je mette un petit égal? Non, pas comme ça. Ok. Comment vous l'écririez? Style 2 points. Ah, style 2 points color. Non, mais. D'accord, mais je mets dans quoi comme balise? Style, comme ça? Style color 2 points? Je fais ça? C'est un attribut, pas une balise. Bah, je le savais. Mais je n'ai aucune. Okay. Alors, je peux mettre quoi comme balise? Je mets un A. Et si je mets un A, je suis baisé parce que j'utilisais des classes, tu vois. Remarque, ça pourrait marcher. H7. Ok. Peut-être ça pourrait marcher. Ça, par exemple. On va voir si je mets tout en bleu. J'ai tellement faim. Ce soir, vous savez ce que j'ai mangé? J'offre un sub à la personne qui va deviner ce que j'ai mangé. Alors, naissance de Bouddha, kidnappé Bouddha. Alors, c'est mieux, mais il n'y a plus les couleurs. Ça marche pas du tout ton style, hein. C'est vraiment à chier. Est-ce qu'il y a un codeur dans la salle? Ok. Ah. J'ai envie de tout. Si je lance un jeu. Allez, on va y arriver. On va y arriver. Est-ce que vous pouvez répondre. Enfin, maintenant, plus personne ne dit rien, quoi. C'est style. Mais non. Ah ouais, effectivement. C'est style. Ouais, bien sûr. Je me disais qu'il y avait un truc qui allait pas. Là, je suis d'accord avec. Qui c'est qui a dit ça? Corben Dallas. Enfin, Corben Dallas, tu sauves le monde et en plus, tu fais des bonnes balises style. Enfin, sacrée responsabilité. Hein. Je vais manger des gnocchis ce soir. Pourquoi? Parce que je suis allé au Aldi et il y avait vraiment des gnocchis en promo. J'en ai acheté des kilos et des kilos. Ça m'a rendu malade hier. Donc aujourd'hui, j'ai bien appris la leçon. Ce soir, j'en mange, mais moins. Corben Dallas? Corben? Corben, t'es bon, Corben? Du coup, je vais prendre les. C'était quoi les couleurs qu'on avait mis? Je sais pas ce que c'est déjà. Ça doit être du orange. Donc, l'orange, c'était pour. Créer. On va peut-être mettre un petit. Voilà. Ensuite, ça. Là, y a un peu de rouge. Il y a beaucoup de vert et un peu de bleu. Donc ça doit être plutôt le modifier. Voilà. Et enfin, le dernier, il était rouge pur. Donc red. Des locums de 1 mètre cube. Des mauvaises surprises, ça m'étonnerait. Plus rien ne me surprend, tu sais. Alors, ben voilà, ben regardez comme c'est beau. C'est exactement ce qu'on voulait. C'est exactement ce qu'on voulait. Je vais même enlever le petit. Voilà, le petit lien là. C'est plutôt classe. Je suis très content de.
Je suis très content de notre collaboration, les amis. Nous avons réussi à faire quelque chose de fantastique. Et quand je serai millionnaire grâce à ce jeu, vous pouvez m'envoyer votre PayPal et je vous donnerai un don de 1 euro. Voilà. J'ai trop foncé le bleu. Et oui, parce que en fait, c'est pas censé être un bleu. C'est censé être un normal, un blanc en fait, white. Et par contre, on va laisser la couleur aussi de modification possible. Normalement, c'est doré. Voilà. Je vais mettre en doré aussi. Non, je vais laisser en white. Donc vous voyez, ce qu'il y a un truc, la leçon à retenir, c'est que j'ai lancé le stream et vous étiez là à dire « Ah, t'as qu'à faire des classes, fibre !» Et puis on se retrouve à déconstruire les classes. Voilà, je vous laisse à méditer, d'accord? Voilà, j'ai tapé 7 au lieu de H7, vraiment. H7, ah oui, effectivement. Détail mineur. Ça marchait très bien sans... Alors, là qui est fait. Donc, c'est pas trop, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je voudrais faire un système. Alors, il me manque des couleurs. Plutôt que de. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je voudrais bien aller sur vos sites de couleurs. Mais je suis pas bon en couleurs. Vous pouvez pas me donner un set de couleurs, s'il vous plaît. Je ne suis pas sur la chaîne tant que le code n'est pas sémantiquement valide et qu'il y a du style au lieu d'utiliser les classes. Je ne suis pas la chaîne. Ah, écoute. Eh bien, écoute, je vais devoir me passer de ton follow. Hein. Bleu, vert, jaune, rouge. C'est un petit peu agressif quand même. J'aime bien l'idée de le faire en fond noir. Parce que c'est pas agressif pour les yeux. C'est sûr que je ne vais pas vous demander de refaire les couleurs, mais c'est un petit peu, ça m'arrangeait quand même beaucoup que vous me conseilliez sur les couleurs. Alors j'essaie d'imaginer, parce que j'ai aucune imagination picturale. Donc imaginons, c'est un fond blanc. Donc déjà le jaune, ça ne se voit plus du tout, on est baisé. Le bleu est trop foncé. Ouais, le bleu, il est un peu à chier là. D'où il vient le bleu? Il doit être dans le style, j'imagine. Je sais même pas comment on fait ce haut là de merde. Non. Non, c'est le background. Un clic droit sur un élément dans ma fenêtre. Donc je fais un clic droit là. Et je fais afficher le code source de la page. Non, c'est pas ça qu'il fallait faire, ça. J'ai faim! Ouais, ok, d'accord. F12, c'est ça? J'appuie sur F12 et je fais un clic droit. Non, ça sert à rien. Je connais rien. Je sais pas comment on fait. C'est quoi ça? Comment il a fait ce rond? Je savais même pas qu'on pouvait faire des ronds. Moi, je suis un éternel étonné de la vie. J'imagine que c'est pas ça. PA strong. J'ai qu'à regarder, attends. A priori c'est dans event. Je découvre, hein, je sais pas. Donc c'est pas dans timeline. C'est ça en fait, non? Non. Non. Les couleurs sont un peu saturées. Rouge, vert, bleu. Ça a l'air d'être ça, ça a l'air d'être cette couleur de merde. Ah, c'est ça. Du coup, on met en quoi le bleu?
Ah, ça modifie le trait bleu, mais pas le rond. Savez pourquoi je m'en fous? Parce que maintenant que je sais que c'est cette couleur, mais je mets de quoi comme couleur? Si je mettais le fameux doré, le doré qu'on aime tellement, ça peut être ça. Non, ça c'est l'orange. Il est où mon doré que j'aime? Tiens, il est encore là, là. Ah, je l'ai mis dans A, je crois. C'est ça. Voilà. Bah, on est bien. Voici un beau code X, une seconde. Est-ce qu'il y a des esthètes ici? Des gens qui aiment les couleurs de toute leur âme. Ouais, c'est joli. Savez ce qui serait cool? C'est que on mette des ronds qui est la couleur du modifié, tu vois. Ça, ce serait classe, non? Oh, salut copain du web, tu vas bien? Mais alors là, je pense qu'on arrive dans des choses ésotériques méga dures, quoi, que je pourrais pas faire. Bon, vous savez, je suis pas un génie du code. Donc on va. Bah écoute, ça va pas mal, copain. J'ai hyper faim, c'est pour ça que je vais même me concentrer sur le code. Là, je fais un peu de code avec des gens qui m'insultent, mais on s'insulte gentiment. Ouais. Non, c'est cool. J'ai pas pu voir ton stream héraldique, mais sache que ça fait partie de mes projets de le regarder. Donc j'étais très content de. J'ai vu que tu l'avais annoncé, c'était cool. Bon, écoutez, c'est pas trop mal ça. Hein. Je suis pas. En fait, là, je suis bloqué sur deux plans. Moi, je suis bloqué parce que je sais pas très bien coder, mais surtout parce que j'ai aucun sens des couleurs et j'ai aucun sens du design. C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que ça, faut le mettre en vert, tu vois? Voilà, je sais pas. C'est une question que je peux pas dire parce que j'ai 42 ans et j'ai passé littéralement 0 an de ma vie à me poser des questions sur la beauté des choses, tu vois? Moi, je vais même vous dire, je vais raconter un truc qui est affreux. C'est qu'un jour, ma femme, elle a compris que j'aimais les choses un peu moches, tu vois? Et elle a fait une méga déprime parce qu'elle s'est dit, putain, mais en fait, t'aimes les choses moches, c'est-à-dire que en fait, je suis moche et tout. C'était vraiment un gros problème dans mon couple. Je ne veux pas dire que j'aime les choses qui sont moches, j'aime les choses originales, qui détonnent un peu, qui ont du caractère, tu vois. Mais après, sur la beauté formelle, les trucs beaux, parfois je regarde un film, genre, vous savez, le Star Wars 8, là, celui avec la planète de sel et les trucs rouges. Et là, je te dis, ah oh, putain, c'est beau, tu vois, c'est beau, waouh, c'est beau, tu vois. Ça, je peux dire quand c'est beau. Mais après, quand c'est pas beau, moi, c'est assez rare quand je trouve que c'est pas beau. Je sais intellectuellement que ça, c'est pas beau, mais si je devais vivre toute ma vie avec ce fond, bah, je serais pas malheureux. Voilà. Ah, le site qui permet de faire des blasons en codant. Non, ça ne me dit rien, malheureusement. Donc, on va en rester là pour le design. J'ai pas dit que j'arrêtais le stream aujourd'hui, pas du tout. Je vais faire quelque chose de cool, c'est que on va faire une petite fonction. Ah, je fais des fonctions maintenant. Qui va que à chaque élément, en fait, à chaque fois qu'on prend une décision, ça va altérer le karma du monde. Et l'idée, c'est que ça va être une sorte de score. Tu peux avoir du karma positif ou du karma négatif. Et à la toute fin, on va sauvegarder notre timeline. Et on pourra l'envoyer avec ses potes en disant voilà. J'ai même envie qu'on nomme la timeline, c'est-à-dire genre la timeline de copains du web, tu vois. Tu l'envoies, tu la mets sur Twitter et j'ai fait 10 millions de karma ou au contraire moins 10 millions de karma, tu vois. Les codes couleurs par époque, non, c'est pas une bonne idée. Parce qu'en fait, il faut qu'on puisse jouer, tu vois. Donc là, à chaque fois que c'est jaune. Tu peux cliquer, tu vois, j'ai envie de changer Marco Polo découvre l'Asie, voilà, empêcher la rédaction du livre de Marco Polo, pim, voilà, tu modifies des choses.
Donc, bon, on va avancer sur ça. Donc, je suis nul en code couleur. Okay. On va faire un petit code PHP. Donc, on va créer une variable qui va s'appeler quelque chose. On va l'appeler comment? La variable score, karma. Donc, ça, c'est quand on ouvre la session. Du coup, je vais créer un truc qui s'appelle session, session karma. Voilà. Session karma égale 0. Et du coup, on va mettre juste en dessous de. Du titre, je cherche, ça arrive, ne vous inquiétez pas, non, changer. La timeline est là. Timeline, UL classe timeline. Donc c'est juste avant. Vous avez changé le passé. Un monde meilleur. Je cherche le titre, hein. On va y arriver. Vous avez changé le passé. Que va-t-il se passer? De quelle façon? Voilà, donc ça c'est ça. Ok, je m'en. Votre karma actuel, donc on va faire ça. Je mets un petit. Alors, moi, vous savez, les headers, les trucs comme ça, j'aime pas ça. Donc, on va mettre un petit. Votre karma actuel. Votre karma actuel. Deux points. Et là, je mets. Session. Hey! Karma. Est-ce que le fait de modifier un événement supprime ou ajoute de nouveaux événements? Alors, il ne supprime pas d'événements, mais il va quand tu, par exemple, j'ai fait cet après-midi, j'ai codé le fait la découverte de l'ADN en 1953. Donc, par exemple, tu peux décider qu'il y ait une forte avancée génétique. Ça va créer des événements, ça va créer des nouveaux événements du coup. Donc ça, c'est des événements créés. Et ça va modifier certains événements du futur. Donc là, par exemple, ça modifie en 1960 la diffusion de la pilule, puisque on trouve un moyen génétique de faire une pilule pour contrôler les naissances. Notre karma actuel, session karma. On va appeler ça plutôt. Je vais faire plutôt une variable karma. Et juste avant, je vais faire karma égale karma. Et je vais peut-être faire des couleurs un peu différentes pour marquer un peu les gens. Par exemple, if karma égale non, est inférieur à 0. On va mettre une couleur. Karma égale. H2.karma. H2. Non mais le karma il va être en millions je pense. On va faire du on va en donner pour leur argent. En fait j'aimerais bien j'ai appelé ça karma temporairement mais j'aimerais bien idéalement qu'on comptabilise les morts tu vois. C'est-à-dire que si tu as anéanti l'humanité alors qu'il y a 7 milliards d'humains bah ton karma il diminue de 7 milliards tu vois. Donc, H2 égale, on va mettre un petit style color red. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont pour dans le chat pour l'indentation? Ou est-ce que comme moi, vous pensez que c'est un peu. Tu vois, on s'en fout un peu, quoi. Alors, un peu de vert, un peu de vert un peu foncé, tu vois. Non, qu'est-ce que je fais? Ouais, il y a des gens qui sont pour l'indentation.
Vous êtes décevant. Alors, votre karma actuel, 0. Ok, ça marche bien. Je pourrais faire. Alors, c'est marrant parce que mon petit IPC sous Linux, là, il commence à sentir le brûlé. C'est un moment où il y a une grosse explosion, surtout vous appelez les flics. Hein. Je suis dans les passes jaunes. Alors, votre karma. J'aimerais bien être un petit. C'est quoi la balise pour souligner? C'est U, c'est ça? Tellement longtemps que je n'ai pas fait de. Voilà. Ensuite, on va faire une fonction. Le Python. Alors, j'ai fait du Python. J'apprécie l'idée de. L'idée que l'implémentation soit la grammaire. Enfin, l'indentation soit la. Soit la grammaire du code. Mais je ne sais pas si on dit grammaire, parce que je n'ai jamais fait d'études de code de ma vie. Alors, fonction. Là, on rentre enfin dans les fonctions. Donc, on va créer une fonction. Donc, qui s'appelle. C'est karma pour change karma, on va l'appeler change karma, ok. Parce qu'effectivement, si je l'appelle C karma, je suis hyper feignant hein, sur certains sujets, donc on va mettre karma et là on va mettre la valeur modif. Au lieu de grammaire, on dit syntaxe. Ah, c'est quoi l'indentation? Oui. Je vais vous raconter une jolie histoire, d'accord? C'est que donc j'ai commencé à streamer il y a 3-4 ans. Non, il y a 3, ouais, 3-4 ans peut-être, j'en pense même plus. Et je codais. Je codais un jeu qui s'appelle Maspero. Et il y a des gens qui m'ont vu coder tellement mal. Et je me voyais tellement galérer qu'ils se sont dit, mais si lui, il peut le faire, moi, je peux le faire beaucoup mieux. Et l'année dernière, j'ai reçu un mail d'une personne qui m'a dit, je t'ai vu coder. Et je me suis dit, bon, je pense que j'ai le niveau. Et il a pris des cours de code, il s'est mis à coder, et maintenant il fait des jeux vidéo. Voilà. Donc ça me fait très plaisir. Moi, ce que je veux, vous voyez, le code, alors je sais que c'est un vrai métier fait par des professionnels, mais je pense que le code, on peut aussi le faire comme un mec qui a un petit atelier chez lui et qui bricole un peu, tu vois, il fait un peu de menuiserie, il fait une chaise, ok, elle est bancale, elle est super moche, mais il a fait sa chaise. Moi, c'est comme ça que je vois comment je code. Et je fais des petits trucs et ça marche, tu vois. Donc, c'est. Je suis pas un. Je serai jamais un codeur, même normal, tu vois. Je serai pas un codeur bon. Mais je suis pas là pour coder, je suis là pour fabriquer du résultat. Je dis ça aux gens qui me voient faire mon code et qui se disent. Enfin, soyez pas intimidés. C'est-à-dire que là, beaucoup de choses que je fais du copier-coller, je comprends pas les trucs que je fais, ça marche pas pendant des heures, vous voyez. Et surtout, je fais un truc, c'est que souvent les codeurs, ils sont assez pudiques, ils montrent pas trop leur code, sauf quand il est parfait, parfait, parfait. Et souvent, quand il est parfait, 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 il n'est pas forcément lisible. Et moi, je vous montre du code dégueulasse, et je vous dis, bah voilà, vous pouvez le faire. Donc, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Alors. Donc le change karma, donc karma égale. Il faudrait que je puisse récupérer. Est-ce que je peux. Je pense pas que je puisse récupérer dans la session. Non, mais c'est. Ok. Ouais. Non, en fait, il n'y a pas besoin de faire de fonction. Pourquoi je fais une fonction? Je fais une fonction, il n'y a pas besoin de faire de fonction en fait. Non, j'ai fait une fonction, ça sert à rien. Par exemple, je vais dans result, ok. On va commencer. Donc, ça, c'est tout mon code linéaire. Vous avez vu comme je suis un. Alors, c'est marrant parce qu'il y a mon pote Sebcam qui fait un jeu qui est la même chose, mais c'est une timeline qui va être générée par une IA. Et quand il a vu que ça fait depuis août dernier. Que je me suis tapé toutes les dates une par une et j'ai écrit toutes les dates. Tu vois, c'est un code qui fait combien de lignes?
Il fait donc. Voilà, j'écris 3000 lignes, tu vois. Il m'a dit, mais t'es un forçat. Mais en fait, effectivement, c'est aussi pour vous montrer que quand vous ne savez pas coder, vous avez la flemme, vous êtes trop crevé, vous pouvez aussi vous faire chier. Alors, l'idée, c'est que. Là, je peux écrire session karma. Je vais y arriver. Égal. Non, mais t'inquiète pas, Corben, je ne t'en veux pas du tout. Et moi-même, pour tout te dire, j'ai fait un jeu. J'ai fait One Family aussi, avec aussi autant de dégueulasseries. Et il a été exposé dans deux musées, j'ai gagné de l'argent avec. Donc tu vois, on peut coder de façon dégueulasse et faire des choses bien. Donc, hop, plus. Donc là, par exemple, les dieux apprennent l'agriculture aux hommes. Est-ce que c'est un bon truc ou pas? On va. Non. Ouais, on va mettre rien, plus zéro. Enfin, hop, donc là, ça change rien. Les Sumériens sacrifient 1000 hommes lors de la grande sécheresse. Donc là, c'est facile, donc je mets moins 1000. Je sais pas si ça va marcher. Ensuite, les guerres religieuses du blé entre la Chine et l'Inde. Ça a fait perdre au moins 10 000 personnes. Ou alors, je pourrais faire un random quand on ne sait pas. Ça pourrait être sympa. Donc là, je vais faire un moins rand 0 10 000. Ouais. Croisade du pain de Jésus et destruction de Jérusalem. Non, il y avait au moins 100 000 personnes à Jérusalem. La peste noire est contrée par une écriture. Alors là, la peste noire est contrée. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, c'est un plus. Et là, on va mettre 100 000. Même, on peut mettre 500 000. Ensuite, le protestantisme refuse l'idée d'un dieu paysan. Ça change rien. Merci. Merci pour vos retours. Je vous fais des bisous. Oui, bien sûr, bah, moi je travaille jamais en équipe. Alors moi, je dis un truc, c'est que je travaille en équipe uniquement quand j'ai besoin d'argent. Et donc c'est dans Results. Alors, on va essayer de j'en ai fait qu'un là, donc il faut que je retrouve le premier. C'est quoi? Découverte de l'écriture. Ah non, de l'agriculture. Construction de la grande pyramide. On va y arriver, hein, je vais y arriver. Hein. Et là, par exemple, je travaille avec Miklo pour écrire des aventures pour Out There 2. Ben en fait, j'ai une réunion de une demi-heure toutes les 2 semaines. Ah non, c'était là! C'était sous mes yeux. Et j'ai et sinon j'ai aucun contact. Et là, je suis très très bien. Putain, quand je travaille dans ces conditions-là, c'est tellement bien, tu vois. Je sais que j'ai fait un système de codage pour pas que les gens trichent, tu vois. C'est ça que je peux pas. Je me souviens un peu comment j'ai fait. En gros, comme il y a 100 événements et que. Je vais y arriver. Hein. Comme il y a 100 événements et que chaque fois j'en affiche 4, j'ai donc une chance sur 25. J'ai faim! Découvrir de l'agriculture. Ouf! Donc on va faire de l'agriculture une religion. C'est parti. Donc là, effectivement, ça a marché. Moins 5559. Très bien. Ok, ben on va avancer sur ce système-là. Voilà. Donc, c'est intéressant. Donc, brûlant les champs. Donc, les terres refusent leur domestication par l'homme. Ça, c'est pas. Les cités sumériennes sont abandonnées. Donc, on va imaginer que ça fait quand même vachement moins de gens. Moins rende 40 000. La tribu nomade de Khéops compte 10 000 individus. Ça, c'est normal.
découverte d'agriculture, fondation des premières cités, donc là, c'est un plus 32, on va dire 4000. Voilà. La peste noire anéantit la totalité de la population humaine, et là, c'est un karma plutôt négatif, hein, de moins 1 million. On va considérer qu'il y a 1 million de personnes. Ensuite. Ah, mais non, mais pourquoi c'est. Ah, j'ai fait une connerie. C'est pas session. Ah non, c'est session karma égale. Oh là 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 là. Excusez-moi, je joue mal. Donc c'est ça. Pourquoi je suis si mauvais? Égal. Égal. Je me disais, le plus rendre 500 000, je ne l'avais pas vu. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Beaucoup égale 10 000 ans. C'est vrai que je pourrais faire ça. C'est une bonne idée. La timeline s'arrête en 2000 ans, mais tu peux être dans le futur au présent. C'est-à-dire que si, par exemple, au moment où il y a la première université, qui est à Bologne, tu encourages vachement la Renaissance et l'université, tu as beaucoup de choses qui vont être découvertes hyper tôt. Et du coup, le premier homme qui va marcher sur Mars, ce sera en 1980. Voilà. Alors, des barbares rasent Uruk. Donc là, malheureusement, ça fait quand même beaucoup de morts. Hein. Ça fait. Oh, il devait y avoir 7000 personnes à Uruk. Des barbares rasent Lagash. C'est une plus petite ville, mais ça fait quand même. C'est quand même un peu relou quand même. Donc là, il y a moins 3000. Des barbares rasent Ur. Alors là, Ur, c'était une grande ville hein, quand même. Donc là, on va mettre 7000. Non, il y aurait 7000, 8000. Ensuite, Khéops domine le nord de l'Afrique, son armée nomade. Ça va. Les Grecs fondent la première civilisation nomade de la mer. Fondation de Rome, le plus grand camp de nomades du monde. Rome devient une cité de pierre. Ça, c'est pas mal. Alexandre le Grand conquiert l'Asie et l'Afrique. Ça change rien par rapport à. L'Empire égyptien repousse Alexandre et commence son développement. On va mettre un petit plus là. Plus 400. Non, pas plus que ça. Ouais. Plus 4000, 5000, tiens. Voilà. L'Europe échoue à coloniser l'Afrique. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Ça permettra beaucoup moins de guerres en par proxy. Et donc, on va rajouter 400 000 personnes. Alors, ensuite, Uruk devient la plus grande cité du monde. Construction de la pyramide d'Anki à Uruk. Les Sumériens écrasent la civilisation grecque. J'essaie de voir le bilan. C'est un peu dommage quand même. En Grèce, il n'y avait pas tant de gens. Guerre de 200 ans entre Rome et Uruk. Donc là, on va dire qu'il y a quand même 40 000 personnes qui meurent. Uruk devient une colonie romaine. Alexandre le Grand est repoussé par Babylone. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Il y aura moins de guerres. Donc je vais mettre un petit plus. Alexandre le Grand est allé loin. Bonjour Pilo. Ensuite, l'humanité abandonne la roue. Alexandre le Grand conquiert le Moyen-Orient. Je vois pas le lien, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Les Grecs fondent la première civilisation occidentale de nomades de la mer. L'empereur Qin est renversé par les royaumes voisins. Donc il n'y aura pas d'unification de la Chine, c'est quand même c'est un mauvais truc là. Je vais mettre un moins 10 000. Redécouverte de la roue, une guerre civile anéantit la Chine. Ouais, ça, c'est pas cool non plus, surtout qu'ils étaient nombreux à l'époque. On va mettre même moins 150 000. Hop. Ensuite, la roue. Découverte de la roue à l'échelle mondiale, parce que la roue, on l'a pas trouvée ailleurs. Première colonie précolombienne en Amérique du Nord. Ouais, c'est pas mal, ça se développe un peu. Surtout qu'ils étaient nombreux les précolombiens. On va mettre plus 10 000. Les Vikings sont massacrés par une armée précolombienne. Donc du coup, une armée pré. Ça fait quoi? Les Vikings, ils arrivent, mais ils sont massacrés. Ça change pas grand-chose. Si, non, ça ne change pas grand-chose. Guerre entre Mayas et Espagnols en Amérique du Nord. Alors ça,
c'est un, les guerres, c'est enfin, par rapport au massacre des Aztèques, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle. Mais j'aime pas trop la guerre non plus. Donc je mets 5000. Non, c'est quand même mieux que les Aztèques se battent, quoi. Je mets 10 000. Traité de paix entre l'Angleterre et l'Empire Maya, ça c'est bien. Donc là, je mets un petit, même, un petit 100 000, tu vois. L'Empire Maya est circonscrit à l'Amérique du Sud. L'Europe colonise l'Afrique du Nord. C'est une bonne nouvelle parce que c'est-à-dire qu'elle ne colonise pas toute l'Afrique. Non, c'est très bien que la roue soit découverte par tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous dites? Alexandre ne s'oppose pas aux chers perses, du coup, ça peut être ça, c'est la logique. Alors, les critères de base de Karma, c'est. J'essaye de faire, alors, c'est à la méga louche, d'accord? Un karma égale un homme qui a été sauvé, un homme, une femme ou un enfant qui a été sauvé par rapport à la timeline normale. Oui, on découvre tout à fait des nouvelles technologies, même par exemple, alors, si, il y a, dans les ondes radio, par exemple, j'ai imaginé qu'on pouvait avoir des ondes avec le royaume des morts, tu vois, donc du coup, on crée des colonies dans le royaume des morts. Là, c'est l'histoire ancienne, donc on est entre moins 3200. Donc, l'humanité refuse le cadeau des démons, l'écriture. Donc, c'est quand même une mauvaise nouvelle, là. L'écriture, c'est utile, ça transmet les recettes, les maladies, tout ça, hein. Les médicaments, excusez-moi. Il est où, moi? Hein? Pourquoi je suis en clavier, j'étais passé en clavier à faire au lieu de Beppo, moi. Boulogne crée la première université et invente en secret l'écriture, mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Grande croisade contre l'écriture, c'est une très mauvaise nouvelle. Le pape reconnaît l'existence d'une écriture sainte. C'est aussi une mauvaise nouvelle, je pense. Ensuite, les humains développent un langage écrit commun. Ça, c'est une bonne nouvelle. Création d'une grande civilisation méditerranéenne. C'est une très bonne nouvelle. L'Empire méditerranéen fusionne avec la Chine. Bah, dis donc, c'est un royaume mondial. Morcellement de l'Empire méditerranéen. Ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Quoique, il n'y a pas de mort. Incendie de la Grande Bibliothèque de Rome. Bon, ça, c'est identique à l'incendie de la Grande Bibliothèque d'Alexandrie. Construction de la grande boule de Khéops. Alors imaginons qu'on n'est pas une pyramide de Khéops, mais une grande boule. Donc, une grande boule, est-ce que c'est cool? C'est mieux qu'une pyramide. La grande boule de Khéops roule sur Thèbes. Ah, c'est une mauvaise nouvelle. Parce qu'elle écrase tous les Thébains. Par contre, il n'y a pas grand monde à Thèbes. On va mettre 3000, 2000. Voilà. Le Nil pousse la grande boule de Khéops dans la mer. La ville d'Eleutheria est construite sur la grande boule. Donc ça, c'est bien. La boule. Voilà, Israël installe une base sur la grande boule de Khéops. La grande boule de Khéops est détruite par un bombardement turc. On va mettre un petit 500, un moins 500. Alors, on va faire de la pyramide plutôt une forteresse. Construction de la grande pyramidale. Le Kalimat d'Abbas s'empare de la grande forteresse de Khéops. Donc ça, évidemment, ça s'est fait au prix de nombreuses vies. Donc on enlève 10 000. Le califat de Damas écrase Charles Martel et conquiert l'Europe. C'est moi qui ai tout écrit. Pendant 8 mois. Non, que dis-je 8 mois? Presque 10 mois. Le califat de Damas écrase Charles Martel et conquiert l'Europe. Ouais, donc là encore, c'est un peu violent. Les Normands repoussent le califat jusqu'en Espagne. C'est encore. C'est un peu ce qui s'est passé. L'Empire ottoman règne sur le monde entier. Moi, je suis turcophile, donc je dirais plus 10 000. Guerre d'indépendance européenne contre l'Empire ottoman. Donc là, c'est une autre guerre qui n'a pas eu vraiment eu. Donc, on écrase à chaque fois l'ancienne valeur de date. Mais non. Non, non. On va voir, je vais faire au moins jusqu'à l'an zéro, d'accord? Donc, établissement de la justice divine régissant les lois. Bon. Confucius est exécuté par les autorités. Donc ça, c'est marrant parce que ce sera karma. On va mettre moins un, puisqu'on a tué une personne. La Magna Charta est rédigée provoquant une croisade contre l'Angleterre. Alors, la Magna Charta.
Donc une croisade contre l'Angleterre, c'est quand même violent, Conquête de l'Angleterre par le Royaume de France. Ça, c'est ce qui s'est passé. La France établit la première colonie en Amérique du Nord, Saint-Jean. Rien de différent. L'Angleterre déclare son indépendance. Donc ça, c'est une petite guerre d'indépendance qui est mignonne, on va dire. Réforme du droit international et abandon de la justice des dieux. Ouais. Ça, c'est un peu passé aussi. La Magna Charta. C'est la Magna Charta. La Grande Charte. Ensuite, Hammurabi instaure la démocratie contrôlée. C'est plutôt un bon signe, la démocratie, hein, de notre point de vue. Donc, on va dire que ça a apporté du bien au monde pour à 5 000 personnes. La démocratie grecque démarque le but d'une Pax Helena de 5 000 ans, de 300 ans. C'est fantastique. Donc là, je vais même mettre 40 000 personnes. Fondation de Rome, future capitale de la République, élection de Charlemagne au suffrage universel de France. Alors souvenez-vous, hein, l'élection de Charlemagne, le couronnement de Charlemagne, il y a eu beaucoup de morts qui ont été passés par l'épée. Donc c'est une bonne nouvelle. L'Empire du Japon laisse place à une République démocratique. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. Suleyman le Magnifique devient président de la République ottomane. Là encore, la France instaure le revenu universel de base en 1789. Mais c'est fou! Allez, mais je mets 100 000 personnes heureuses. Et l'empereur Meiji fait tomber la République démocratique du Japon, ça c'est pas rigolo, donc je mets un moins. Voilà. Alors ensuite, le secret de l'acier, début de l'âge de l'acier. L'Empire romain conquiert le monde, c'est bien et c'est pas bien. Hein. On met quand même un moins 60 000, tu vois. Alexandre le Grand devient empereur de Rome. Okay. L'empereur Qin règne sur Rome et le monde. Donc, c'est bien, il a été plutôt fédérateur. Je vais mettre un petit plus. Un petit plus, 100 000 même, puisqu'il est sur le monde entier. L'Empire romain est divisé par la religion. C'est normal. Ensuite, le tabou du fer. Alexandre le Grand est repoussé à Babylone. C'est une bonne nouvelle. Parce qu'il n'est pas allé jusqu'en Inde. Apothéose des forêts qui conquiert les villes. Donc, les forêts reconquièrent les villes. Comment on fait ça? C'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Moi j'aime bien. Invasion normande est repoussée en Angleterre. C'est pas mal. Mais c'est pas top non plus, tu vois, on met 8 000. Découverte de l'usage du fer par les premiers scientifiques. Ok. Ensuite. Orateur de talent. Donc là on fait quoi? La démocratie grecque commence à rayonner sur le monde. Périclès abolit l'esclavage. Ça c'est trop bien! Donc, vous imaginez le nombre de dangers. Là, on améliore la vie de 100 000 personnes. Effondrement de la civilisation grecque. Donc, ça, c'est pas très bien. Et oui, parce que n'oublions pas qu'en Grèce, un tiers de la population, c'était des esclaves. Alexandre le Grand fonde la Nouvelle Athènes. L'Afrique colonise l'Amérique du Nord. Ouais, c'est étrange, mais pourquoi pas. Donc, là, il y a quand même la colonisation de l'Amérique du Nord est un peu violente. Hein, on va pas se le cacher. Donc je vais mettre un moins 5 000. Haïti acquiert son indépendance. Ouais. Ça, c'est bien aussi. Il n'y a pas grand monde sur Haïti. On va mettre 1 000. Je vais mettre 800. Voilà. L'Empire Yoruba unifie les nations d'Afrique. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il gagne un plus 100 000. Ensuite, là. Donc là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, avant, c'était on va instaurer une démocratie durable en Grèce. Là, on va faire plutôt de la Grèce une dictature militaire. Donc, l'armée grecque pille Rome. Pas bien ça. On va dire qu'il y a au moins 9 000 morts. Alexandre le Grand installe de la capitale grecque en Inde. Ok. C'est pas beaucoup d'impact. Guerre de 30 ans entre la Chine et la Grèce. Ouais. Une petite guerre. 3 000 hommes. C'est un moins d'ailleurs. Ensuite, l'Empire grec conquiert toute l'Asie du Sud-Est. Là, on remarque bien que Alexandre le Grand, il est un peu violent. L'Empire grec bâtit une statue de Zeus de 100 mètres de haut à Angkor Wat. Ouais. Gengis Khan dévaste l'Empire grec en Asie. Bien 20 000, hein, voilà. Ensuite, on en est où? Alors, Rome, l'attitude de Rome. Rome entreprend de conquérir le monde.
Rome, l'Empire romain soumet la Grèce et les tribus de Rome. Donc j'imagine que ça va coûter cher en karma, tout ça. L'Empire soumet les tribus d'Afrique du Nord. L'Empire romain écrase Alexandre le Grand. Là, je mets moins 10 000 à chaque fois. L'Empire romain soumet Qin et la Chine. Le christianisme fragilise l'Empire romain. Guerre civile religieuse suivie de la chute de l'Empire romain. Et non, c'est plutôt violent, hein. Ensuite. Fondation de Rome, la cité des esclaves affranchis. Donc là, Rome va se consolider. Rome devient une démocratie négociée des protectorats. C'est plutôt un bon truc, mais pas extraordinaire non plus. Moi, j'aime pas la guerre, donc c'est difficile d'être objectif. Rome adopte le christianisme, instaure la démocratie de droit divin. Mais quelle imagination, fibre tigre. Rome propose l'idée d'un gouvernement démocratique mondial. Ben, dis donc, en 155, c'est sympa ça. On va dire que cette idée a plutôt été bénéfique. L'Afrique du Nord intègre l'Empire romain sans violence. Donc ça, c'est pas mal. Constantinople devient une capitale culturelle mondiale. C'est bien aussi. Les nations européennes adhèrent au Conseil Conseil romain. Mais non, c'est plutôt. Alors ensuite, on est en moins 563. Donc c'est quoi? C'est à Bouddha. Bouddha. Alors, Bouddha. Le prince Siddhartha Gautama est mystérieusement kidnappé. Donc, du coup, on enlève un. Ça, c'est marrant. Puisqu'il y a une personne sur la Terre qui disparaît. Ensuite, l'hindouisme s'étend jusqu'en Chine. Ok. Naissance de Jésus, naissance du christianisme. Guerre entre chrétiens et hindouisme dans toute l'Europe. Donc, ça, c'est pas très cool. Du coup, ça, c'est guerre de religion. Bon, 15 000. Hein. Le christianisme se répand dans l'Inde. Construction de la grande cathédrale d'Angkor Wat, construction du Christ rédempteur du Taj Mahal, le Vatican s'installe en Inde. Okay. Vous devenez un disciple de Bouddha. Donc ensuite, là c'est quand le bouddhisme arrive en Occident. Le grand temple de Bouddha à Rome unifie la foi occidentale. Donc ça fait quand même beaucoup moins de morts, de martyrs, tout ça. Jésus, prophète de Bouddha, fait un pèlerinage à Kushinagar. Le Saint-Empire du figuier sacré unifie l'Europe. Moi j'aime bien les unifications. Hein. On va mettre encore un 5 000. Première croisade des conquêtes de l'Inde par l'Europe. Là, ça c'est pas bien. C'est fou, hein, les Européens, à chaque fois, ils s'énervent. Ensuite, schisme occidental du bouddhisme et création des bouddhistes modernes. Suite aux persécutions, les bouddhistes modernes fuient en Amérique. Ça c'est normal, c'est ce qui s'est passé avec les protestants. Alors là, kidnapping de Confucius. Donc là, c'est pareil, Confucius, on va enlever 1, moins 1. Ah mais merde! Là encore, je me suis planté! 1. Je vais faire un rechercher remplacer. Je prends tous les comme ça et je fais égal ça. Session karma moins. Replace all. Ok. Et ensuite je fais un contrôle. Ah, quoi qu'il m'a fait un. Contrôle H, ça marche pas? Non, c'est contrôle. Comment on fait? Ah non, c'est contrôle H. Ouais. Là, je mets plus. J'ai oublié de mettre le session karma là. Replace. Oh là. Voilà. Alors, j'en étais où? Hein? Donc, j'étais en moins 550. Ah, attendez. Il est gros le fichier. Qu'est-ce que vous dites? C'est quoi votre problème? Le F12? Ça fait 10 minutes que tu le dis? Courage, fibre. Merci. Voilà. Okay. Alors ensuite, la Chine s'effondre dans la guerre sans fin des royaumes combattants. Ah, est-ce que vous avez lu le manga Kingdom? Là, il y a vraiment des milliers de morts. Hein. C'est Rand en fait. Hein. 0, 150 000. Hein. C'est affreux hein, ce qui s'est passé. Genghis Khan conquiert le monde et soumet la Chine. Là encore, c'est assez violent, mais comme il y a déjà beaucoup de gens qui sont morts, on va mettre juste 100 000. Hein. La Chine disparaît, devient la Grande Mongolie. La Grande Mongolie soumet le Japon.
Voilà. Donc là, il y a bien 20 000 morts. Hein. La Grande Mongolie domine et intègre toute l'Asie du Sud-Est. Donc là, il y a beaucoup moins, 10 000 morts, parce qu'au bout d'un moment, ils sont tellement gros, tu vois. La Grande Mongolie s'allie à l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale et conquiert le monde. Donc là, c'est violent. Hein. Là, on est plutôt de l'ordre du million. Voilà. La Grande Mongolie, la première puissance mondiale. Troisième guerre mondiale de l'indépendance des pays contre la Grande Mongolie. Donc là, c'est une grande guerre mondiale qui fait 7 millions de morts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai bien mis 1 million 5. Okay. Effondrement de la Grande Mongolie. Plus égal, je sais pas, je savais pas que ça existait. C'est vrai que ce serait pratique. Ouais. Alors ensuite, naissance de Confucius. Confucius se propage dans le monde entier. Charles Martel construit la Grande Muraille de France pour repousser le califat de Damas, qui est une façon pacifique de résoudre le problème de l'invasion musulmane à l'époque. Du coup, c'est un peu le Trumpiste, vous voyez. Du coup, on va dire que ça fait quand même gagner beaucoup de vie. On va gagner 20 000 personnes. Ensuite, les Vikings développent une école de pensée basée sur le respect de la nature. Et non. Donc, là encore, on va dire, oh, ça, pour 4 000, hein, ils vont. L'Europe ne trouve aucun intérêt dans l'Amérique et cesse les voyages. Du coup, ça fait beaucoup d'Indiens et d'Amérindiens qui ne meurent pas. Je vais même mettre 300 000. Voilà. Les enfants de la Renaissance rejettent le confucianisme. Grande guerre confucianiste en Europe. Alors ça, c'est pas très bien. Donc là, on va mettre 40 000. 30 000, tu vois. Naissance de l'écologie politique en Norvège. C'est bien l'écologie, hein. On va mettre un petit bonus. Pourquoi mettre du random? Parce que comme ça, les scores sont différents à chaque fois. Peut-être c'est une erreur. Mais moi, je dis, quand tu fais une erreur, essaie de faire toujours la même erreur. Nous sommes en moins 221. Donc, est-ce qu'on unifie, donc, on tue Qin, l'empereur Qin. Donc là, on enlève 1. Genghis Khan conquiert le monde, soumet la Chine. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc, ça fait quand même beaucoup de gens. Moins 150 000 personnes. La Chine disparaît. La Grande Mongolie, 20 000. La Grande Mongolie, Asie du Sud-Est, 10 000. Moi, je suis cohérent dans mes trucs. La Grande Mongolie, là, c'est 1 million 5. La Grande Mongolie, Troisième Guerre mondiale, on avait dit combien? 7 millions. Hein. Voilà. Pourquoi du random qui part de zéro? J'aime bien, j'aime bien. Je sais que c'est pas génial. Moi, je dis toujours, quand tu fais du game design, fais des trucs pas très bien équilibrés. Parce que de toute façon, si tu veux faire des jeux équilibrés, t'as qu'à bosser chez Ubisoft. Alors, l'empereur Qin unifie la Chine. Entre points de conquérant. La Chine conquiert le Khanat mongol. Bon, là, c'est encore, c'est encore des guerres, tout ça. Hein. La guerre est partout, mais il y a quand même moins de gens mongoliques en Chine. La Chine conquiert le Tibet et l'Inde. Là, il y a quand même pas mal de gens. La Chine soumet le Japon. On avait dit que c'était du 10 000. Hein. La Chine domine et intègre l'Asie du Sud-Est. Ah non, c'est du 20 000. Il y a des événements, il vaut mieux les laisser tranquilles. Voilà. La Chine provoque la Deuxième Guerre mondiale et conquiert le monde. Ok, donc 1 million 5. Hein. La Deuxième Guerre mondiale, on est plutôt de l'ordre de 2 millions. Hein. 2 millions. Troisième Guerre mondiale des pays contre la Chine, et là on est dans du 7 millions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que c'est une bonne idée de sanctionner autant la Deuxième Guerre mondiale? Non, parce que c'est une Troisième Guerre mondiale. Voilà, ok. Je crois que ça, en fait, la Deuxième Guerre mondiale, c'est une connerie, puisqu'il y a déjà autant de morts. Après, elle est, ouais, bon. Après, c'est... Alors ensuite, qu'est-ce que vous dites? Moi, 336. Alors, Alexandre le Grand. Ah,
Alexandre le Grand meurt. Donc dans ce cas-là, il se passe quoi? Il y a une personne qui meurt. L'Empire perse conquiert la Grèce. On va dire que c'est kiff-kiff. Ok? Ouais, quoique. On va être un moins 3000, parce qu'ils étaient un peu violents, les Perses. Guerre de 100 ans contre l'Empire perse et l'Empire romain. Là, c'est un peu violent, par contre. Donc, on va mettre un moins 20 000. L'Empire perse contrôle tout le sud de l'Europe. L'Empire perse écrase Charles Martel à Poitiers et conquiert la Francie. Donc là, il y a 40 000 morts. Ça augmente. Charlemagne devient chef du protectorat perse de Francie. Les Vikings stoppent l'invasion de l'Empire perse. Donc, c'est un peu équivalent à Charles Martel. Révolte et indépendance des protectorats d'Europe. Et là, il y a encore une petite guerre avec 30 000 personnes qui meurent. Alexandre le Grand fonde un immense empire marchand. Les cultures européennes dominent l'empire perse et s'étend jusqu'en Inde. Donc là, on va mettre un. C'est pas hyper important. Par contre, c'est pas une conquête. C'est pas une conquête par le sang. Donc on peut mettre quand même tous les morts. On peut mettre un bon petit 100 000 là. Tous les morts d'Alexandre le Grand, ils n'existent plus. Construction du Parthénon de Zeus à Beijing, culte d'Hermès. Charles Martel signe à Poitiers le grand traité commercial avec le califat de Damas. C'est une très bonne nouvelle tout ça. Regardez tous ces gens qui revivent. Marco Polo crée la cour du commerce. La peste noire se répand et là c'est l'anéantissement de l'humanité. Donc il va y avoir trois, peut-être, je sais pas, 10 millions de personnes à l'époque. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Et enfin, en moins 4, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Jésus. Ok. Donc, Jésus en moins 4. Jésus est kidnappé par un roi mage. Donc là, on part moins 1. La foi musulmane unifie les peuples de l'Occident. Ok. Charles Martel prend la tête du royaume musulman d'Europe et en fait un empire. Du coup, c'est un peu pacifique tout ça. On va mettre un petit plus 100 000 pour toutes les croisades qu'il y a en moins, là. Grand djihad de grand empire musulman contre l'Asie. Ça, c'est un peu une mauvaise nouvelle. On va mettre un petit moins 200 000. Constantinople capitale spirituelle, grand schisme musulman, diaspora des protestants musulmans. Ok, parfait. On intègre alors Ponce Pilate. Jésus finit sa vie en prison. Prison sanctuaire. Le prisonnisme catholique. Abolition générale de la prison. C'est une bonne nouvelle parce que les gens meurent en prison. Donc on va être un plus. Moi je déteste la prison. 50 000. Grande croisade de libération par détruire toutes les prisons du Moyen-Orient. Ça c'est une guerre quand même, donc c'est pas très cool. Mais on va dire que voilà. Oh, il y a plus de morts que ça. Hein. Voilà. Le souverain geôlier Vatican déclare l'esclavage compatible avec le prisonnisme. Donc du coup, l'esclavage, ben, non, ça change pas grand-chose. Il y a eu de l'esclavage dans la vie normale. Et après, on est en 732. Donc là, on a fait tout ce qui est avant zéro. On va mettre ça en ligne pour voir ce que ça donne. En fait, c'est pas, c'est un bac à sable historique. Donc il y a pas de, on peut gagner, tu vois. Donc, par exemple, voilà, je vais faire que les dates inférieures à 0. Donc, Alexandre le Grand conquiert le monde. Je vais assassiner Alexandre. Je suis à moins 300. Empereur Qin unifie la Chine. Je vais suggérer à Qin une politique. Ouh là là. Magellan fait le tour du monde. Ça ne va rien changer. Donc, je vais faire ça. Saboter l'expédition. Ça ne va rien changer. Ok. Monter en puissance de la civilisation grecque. Alors. Renforcer, décourager l'esclavage dans la civilisation grecque, donc ça c'est bien. C'est encore pire qu'avant, j'ai un score de moins 3 millions. Ok, Bologne fonde la première université, donc ça je ne l'ai pas. Marco Polo découvre l'Asie, ok. Alors, fondation des premières cités, renforcer le pouvoir héroïque. Ça commence à descendre un petit peu, mais pas trop. Ça va être compliqué de faire des scores corrects. J'étais peut-être un peu violent sur le début de l'âge du fer. Dévoiler le secret de l'acier. Découvrir de l'écriture. Unifier toutes les écritures et les langues. Ça, j'arrive pas à descendre. Le score est hyper bas. Les Vikings colonisent et découvrent l'Amérique.
J'ai un petit problème de Saint-Empire romain. Alors, création du code d'Hammurabi. Introduire l'idée de démocratie. Alors, 1, 2, 3, je suis encore à moins 3 millions. Découverte de l'agriculture. Ok. La Renaissance. Alors, naissance de Bouddha. Propager la foi de Bouddha en Occident. J'essaie de faire baisser mon score de 3 millions, mais c'est dur. Hein. Putain, je suis à moins. C'est affreux. La Chine invente de la poudre à canon. C'est plus tard. Voilà. Alors, attends, invention du télégraphe. Alors, j'ai toujours pas de choses. J'ai fait toutes les dates? Ah oui, j'ai dû faire toutes les dates. Bon, oui, quand je mets E égale 1, c'est pour reset. Alors, je refais. Naissance de Bouddha. Propager la foi de Bouddha en Occident. Putain, encore un score négatif, quoi. Ça fait chier. Montée en puissance de la civilisation romaine. Donc. Ah, un petit score positif, enfin. Genghis Khan conquiert le monde. Kidnapper Genghis Khan. Ok. Découverte de l'agriculture. Ok, on peut. Ok. 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 Bon, c'est bien. Bon, on va voir. Peut-être. Alors, effectivement, Niamiols, je te rends quelque chose, c'est qu'effectivement, le random 0,3 millions, il est un peu violent. Parce qu'effectivement, pour un même choix, on peut avoir vraiment un delta qui est un peu trop gros. Là, par exemple, on peut avoir un delta de moins 6 millions, quoi. Mais après, tu vois, on a créé la Troisième Guerre mondiale, quoi. Donc. En fait, on devrait faire une valeur maximum. Je vais faire ça, je pense. Je vais juste modifier ce que j'ai déjà fait. Putain, je les scanne un par un. C'est là que je regrette de ne pas avoir fait une fonction. Là, j'ai 500 000. La peste noire anéantit la population. On va dire que. Attends, 1, 2, 3. On ne peut pas avoir moins de 1 million. Okay. 1 million, ce sera le score maximum. Parce que c'est irrattrapable par rapport à des petits événements, tu vois. Et c'est vrai que j'aurais dû faire une variable, genre beaucoup, t'as raison, dans lequel j'aurais travaillé sur le delta et tout ça. J'étais un peu impatient. Après, je peux faire un rechercher remplacer un peu subtil. Là, je suis à combien? 150 000, hein. Ouais. Alors, là, tu vois, il y a 7 millions, ça. Attends, c'est 700 000. Non, c'est 7 millions, c'est un peu beaucoup. Là aussi, il y a 1,5 million. Un, deux, trois. Là, c'est 2 millions. Voilà. Là, c'est 10 millions, c'est beaucoup aussi. On a un petit peu modifié. Ce que je vais faire, c'est que. Ouais, j'aurais dû faire une constante mine, t'as raison. Après, rien ne m'empêche de faire des petites choses. Enfin, tu vois, je fais un rechercher remplacer, je mets mine.
On verra bien, c'est pas du trop de temps perdu. Je vais tester une dernière fois. Je vais arrêter le stream pour ce soir. J'avais un truc à vous dire, c'est que ce soir à 21h, on est en stream avec Daz et Lame. On est dans Elite. Et on va faire tout le système solaire. On va faire le Soleil, Mercure, toutes les planètes. Et on va visiter, et puis on va parler des planètes. Voilà, ça va être cool. J'espère que vous serez là. Donc, on va faire de la culture de religion. Première croisade. Genghis Khan conquiert le monde. Voilà. Bon, ok, c'est cool, la découverte de la rue. Du coup, je vais. Naissance de Confucius. J'essaie de faire des scores un peu négatifs du coup. Ah, j'arrive plus à faire du score négatif maintenant. Ah, naissance de Confucius. Kidnapper Confucius. Oula! Comment je peux avoir moins 1 million? Ah oui, Troisième Guerre mondiale, effectivement. D'accord. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir été avec moi pour ce petit stream ridicule. Et puis on se voit soit ce soir, soit demain. Il y a un truc, il y a un méga. Enfin, non, demain je suis pas en stream, mais il y a Kelty qui fait du stream à gogo. Il y aura un commute, une pièce de théâtre et Six and Daz. Par contre, on se voit dimanche soir pour Game of Thrones. Et on se voit lundi soir, très important, pour premier rôle sur le Figaro. Parce que c'est en direct, il y a beaucoup de cadeaux. Il n'y aura pas à se baisser pour gagner les cadeaux. Genre, il y a des clés, il y a des tonnes de trucs. C'est ouf, je sais pas, ils sont super généreux. Voilà, et on se revoit mercredi soir aussi pour les cours en ligne. Allez, salut!